Voici ce qu'il faut retenir de la matinée d'Éric Zemmour à Bonneval en Eure-et-Loire ce vendredi 7 janvier 2022. Le candidat à l'élection présidentielle est en Eure-et-Loire ce vendredi 7 janvier 2022. Avant son meeting à Châteaudun, où plus de 1500 personnes sont attendues, Éric Zemmour s'est rendu ce matin à Bonneval, Eure-et-Loire. Il a rencontré le maire Joël Billard et a donné une conférence de presse à l'issue de l'entretien. Le fondateur de Reconquête a choisi l'Eure-et-Loire pour son premier déplacement de campagne de 2022. Fini le statut de journaliste et polémiste parisien, Éric Zemmour laisse l'immigration et la sécurité de côté pour parler ruralité. Et c'est ce qui a poussé Joël Billard, maire de Bonneval et par ailleurs président de la communauté de communes du Bonnevalet, à recevoir le candidat à l'élection présidentielle, « Je ne crains rien du tout, NDLR », en accueillant Éric Zemmour, « Je suis un indépendant ». La venue d'Éric Zemmour s'articule autour d'un thème qui m'est cher, la ruralité et les communes. Les deux hommes ont échangé en privé, notamment sur le devenir des communes, puisque l'on rencontre quelques difficultés liées à l'administration française. Éric Zemmour a assuré qu'il voulait favoriser délibérément les zones rurales en proposant la création d'un haut commissariat à la simplification des normes administratives.